quatrième au coup d'envoi, Marseille doit se remettre de sa double confrontation contre le PSG soldée par deux défaites. Et pour ce faire, l'OM reçoit l'Estac, lanterne rouge, qui avait tout de même battu les Olympiens au match aller. Eli Bop aligne exactement la même formation que contre Paris, à l'exception de Kadir qui cède sa place à Jordan Ayew. Et à la 25e minute, sur ce beau mouvement olympien, Ayew est tout proche de propulser la balle au fond des filets. Mais le retour de Colin empêche le Ghanéen de marquer le premier but de cette partie. 3 de son côté va avoir quelques incursions. Ici à la 40e minute, Benjamin Nivet enlève trop sa frappe. Jean-Marc Furlan est déçu, mais son équipe tient bien. 0-0 à la mi-temps. Et son équipe s'enhardit au fil des minutes. Le débordement de Fabien Camus. Il lève la tête et trouve Benjamin Nivet, unique buteur au match aller. Benjamin Nivet trouve un Steve Mandanda bien présent sur sa ligne. 3 joue bas et contient les offensives marseillaises. Les Marseillais sont volontaires mais timides et s'exposent au contre. La frappe de Marcos passe à quelques centimètres du poteau de Steve Mandanda. La frappe était détournée. Et 3 joue bien, relance tranquillement à partir de son gardien Thuram. Le long ballon sur le côté, Marcos au duel avec Nkoulou. Le défenseur camerounais se fait subtiliser le ballon par Marcos qui s'infiltre et frappe. Mandanda est battu, 1-0 pour 3 à la 70e minute de jeu. Peut-être légère poussette de Marcos sur Nkoulou, monsieur Duhamel ne dit rien. Et ensuite Marcos crucifie Steve Mandanda, la balle passe entre les jambes de Lucas Mendes et l'OM va devoir pousser pour aller chercher l'égalisation. Sougou, entré en jeu à la 70e minute à la place de Barton, est de suite décisif. Le débordement du Sénégalais est repris par Nkoulou, puis dévié dans ses propres filets par Jarja. Un but partout à 10 minutes de la fin. Et l'OM pousse pour obtenir la victoire et récupérer une troisième place qu'occupe Saint-Etienne depuis la veille. Valbuena alerte Sougou. Sougou retrouve Valbuena, double 1-2 entre les deux hommes. Sougou pour Gignac, action décolle, conclue par Gignac, son 9e but. Tout est parfait sur cette action. La passe de Sougou, la remise dans l'intervalle de Valbuena, la petite passe en une touche pour Gignac. Marseille s'impose 2-1, comme souvent, sans avoir été génial. L'OM fait étalage de sa force de caractère pour renverser la situation et s'imposer d'un petit but. L'OM est 3e à 2 points de Lyon, futur adversaire lors de la prochaine journée.